Coucou tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce mois-ci, du 15 juin au 15 juillet, je suis DT créative pour la boutique Créa Scrap by Seal. Donc dans le colis que j'ai reçu et que vous avez pu voir dans ma précédente vidéo, j'ai aussi reçu ce kit de papier de Happy Little Fox de la collection Petit Bonheur du Jour. J'ai décidé de prendre une des pages de ce kit et de partir de cette même page-là pour faire une page scrap entière. Vous savez que je fais très très rarement de pages, mais cette collection m'a inspirée pour faire une page, surtout que je trouvais que les couleurs allaient bien avec mes photos des USA. Donc l'ouest des USA, même si j'y vais en été, c'est beaucoup de couleurs chaudes, comme par exemple le rouge et le orange. Et du coup, je trouvais que cette collection irait bien avec quelques photos de l'ouest des USA. Et donc voilà ce que je vais faire, c'est découper toutes les bandes de cette page avec des mots et des petites phrases, notamment aussi la bande avec les cœurs. Et je vais aussi découper la bande avec un motif floral. Et à partir d'une page blanche, je vais agencer les bandes de papier au centre et dans la verticalité. Et en fonction de ça, je vais placer deux photos de manière centrale et puis ensuite faire sortir de cette bande tous des mots et des phrases tout au long de la bande. Ce qui va rendre vraiment ma page beaucoup plus dynamique. Somewhere down the line, we changed and we grew, and we fell out of touch as time goes by. Still, I'm holding on to. I know that it's time for me to let you go. I know that it's time for us to part, though it breaks my heart. Baby, it's time for me to face the truth and say. Je rythme les couleurs, donc comme vous pouvez voir, c'est une fois du noir, une fois du blanc, une fois du rouge, une fois du vert. Puis je vais refaire plus ou moins la même chose de façon à ce que deux bandes de la même couleur ne se touchent pas. Et non seulement je rythme les couleurs, mais je rythme aussi les tailles des bandes. Donc une courte, une moyenne, une plus longue, puis de nouveau une courte, etc. Il n'y aura pas deux bandes de la même taille, l'une à côté de l'autre. Fall out of touch as time goes by.
Et donc voilà, c'est une page vraiment assez rapide à faire et qui est constituée que de die cuts finalement, de la même collection. Ici, pas de tamponnage, pas de découpe de dies, pas d'encre. Et de temps en temps, bah voilà, il m'arrive de vouloir faire quelque chose de très sobre et facile à faire tout en étant assez contente du résultat. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver tout le matériel que j'ai utilisé, notamment ce kit en référence dans la description de ma vidéo, dont le lien du site de CreaScrap by Seal. Et donc n'hésitez pas à aller voir le site qui contient plein de choses qui pourraient vous plaire. Vous pouvez adapter cette même manière de faire cette page scrap avec un thème et une couleur totalement différentes. Et si vous le faites, ben n'hésitez pas à me le partager comme d'habitude parce que j'adore voir ce que vous faites. Et à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être au courant de mes nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. À très bientôt dans une prochaine vidéo. When things are really tough and they're really rough and nothing's working, but there's something inside of you that says, I just have to follow that.